un bac S au lycée pour ensuite être en prépa, donc intégrée à l'ESEO, qui est une école d'ingénieurs à Angers. Et en quatrième année, je me suis spécialisée, j'ai pris une option énergie-environnement, donc ce qui m'a permis de réaliser mon stage de fin d'études dans les projets photovoltaïques. Produire de l'électricité aujourd'hui, c'est un enjeu dans notre société. Et donc là, c'est de l'électricité verte. Et donc, je trouve ça super intéressant d'être dans un domaine avec de l'innovation et en même temps dans un domaine très actuel. On part d'un projet à zéro, où on vient faire un projet, on vient tout imaginer, donc du choix du matériel à la réalisation sur chantier. On va produire de l'électricité, où vraiment, là, ça devient concret. La partie bureau est une partie très importante dans mon métier parce que c'est là où on commence le projet naît. Après, j'aime aussi beaucoup passer du temps sur le chantier. Il y a beaucoup de contacts, donc de relations humaines, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, donc moite-moite. Alors une journée réussie, ça rime pas forcément avec une journée sans accrocs. C'est vrai que les journées avec un chantier, ça se passe pas forcément comme on l'avait prévu. Mais du coup, une journée réussie pour moi, ce serait une journée où on a trouvé les solutions à nos problèmes et donc où on a pu avancer. Si tu aimes le travail en équipe, innover, concrétiser des projets et que tu n'aimes pas la routine, alors fonce.